Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tracy et je veux devenir une championne d'échecs. Veux-tu apprendre avec moi ce jeu incroyable? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la troisième leçon. Mais avant de commencer, j'ai une petite blague pour toi. Pourquoi les souris n'aiment pas jouer aux devinettes? Tu as trouvé? Non. Tu ne sais pas? Eh bien c'est simple, parce qu'elles ont peur de donner leur langue au chat. Ok, je me concentre. Aujourd'hui, on va apprendre à attaquer. Regarde, tes pièces peuvent capturer les pièces de ton adversaire en s'arrêtant sur leur case. Par exemple, ta tour ici. Elle peut capturer le fou de ton adversaire, simplement en s'arrêtant sur sa case. Tu as vu? Le fou a disparu de l'échiquier. C'est pareil avec toutes les autres pièces de l'échiquier. En revanche, pour le cavalier. Souviens-toi bien, il saute par-dessus les pièces de ton adversaire, mais il ne mange que celles qui se trouvent sur sa case d'arrivée. Par exemple, voici un cavalier qui peut manger ce pion. Mais as-tu bien remarqué? Les autres pièces n'ont pas disparu, seulement le pion de la case d'arrivée du cavalier. Attention! Tu ne peux jamais, jamais, jamais manger tes propres pièces. Elles forment un barrage, une sorte de barrière pour tes propres pièces. Tu vois cette dame, elle ne peut pas passer par-dessus ses propres pièces. Elle ne peut pas les manger non plus. Seul le cavalier peut sauter par-dessus ses propres pièces. Pour gagner aux échecs, il est plus facile si tu arrives à capturer les pièces de ton adversaire, moins il aura de pièces, plus ce sera facile pour toi d'aller mater son roi. Donc, il te faut toujours regarder attentivement les pièces non défendues de ton adversaire. Par exemple, dans cette position, combien de pièces ne sont pas défendues chez les noirs? Mets la vidéo en pause et compte si tu le veux. Tu as trouvé? Il y en avait 3. Félicitations! Bravo, tu peux maintenant effectuer les exercices dans ta brochure. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.